Bonjour, bonjour! Et nous nous retrouvons pour la présentation du colis du mois de, je sais plus, avril, du mois d'avril pour la boutique Magique Loisirs. Donc, j'ai choisi cette collection-là parce que je l'ai travaillée en atelier. L'atelier de Valdoie, là, de Belfort, et l'atelier de Lambesc près d'Aix. J'étais un peu frustrée parce que ben, dans un atelier, on ne peut pas faire un gros album avec quatre blocs et plein de choses parce qu'on n'a pas le temps, on n'a que 2 jours. Même si c'est 2 jours intenses, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on voudrait. Et j'étais un peu frustrée parce que j'ai adoré ce papier, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, ben, je vais pouvoir le retravailler dans un album comme je les aime, bien joufflu, bien trapu. Parce que Magali m'a envoyé toute la collection. J'ai tout. Le 30-30 et le 20-20, le 15-15 et le 15-30. J'ai tout. Voilà. Donc là, ça ne peut pas être mieux que ça. Donc là, on va faire un album traditionnel. J'aime pas trop dire ça, mais enfin, vous me comprenez. Le traditionnel pour moi, c'est l'album avec l'accordéon et les quatre blocs, là, voilà. Et bien joufflu, bien charnu. Alors, je n'avais pas fait la présentation de la collection quand je vous ai montré l'album de la crop, mais parce que ben, c'était pour l'atelier. Mais là, du coup, je vais pouvoir vous présenter les papiers correctement parce que c'est vraiment du très beau papier. Alors, la collection, elle s'appelle Lovely When You Read. Pour celles qui aiment la lecture, c'est parfait. Et c'est Craft O'Clock, bien sûr. Et voilà. Déjà, là, d'entrée, à la première page, vous avez déjà l'ambiance du papier. J'adore. Voilà, très, très joli. Des lanternes, des bouquins, des valises, des papillons, des fleurs. C'est magnifique. Et pourtant, je l'ai vu et revu, je l'ai déjà travaillé. Les fonds, les versos, ce sont des fonds très faciles à caser parce que vraiment tout est assorti. Bon, vous allez voir, il n'y a qu'un vert qui ne me plaît pas, mais enfin, ça, c'est autre chose. C'est des fonds qui passent partout, hein, c'est des faux unis là, qui passent partout, et ça, c'est parfait avec des écritures anciennes, là, très penchées à l'encre, là, c'est trop beau. Alors, on a aussi plein de petites horloges comme ça. Très, très jolies. Vous voyez là, c'est sur du fond vert. Alors là, il faut que je vous dise quand même, parce que ça, je l'avais déjà remarqué avec la première fois que j'avais travaillé la collection. C'est une manufacture de chemises françaises. Gilet de flanelle, Châteauroux, Petit Frère Denis. Et c'est une facture, en fait, de chemises. C'est trop rigolo. Voilà l'arrière. Il y a beaucoup de brun comme ça aussi. Là, voilà la fameuse papeterie librairie là que j'ai adoré cette vitrine là. C'est trop beau. Bon, des beaux bouquets. Les faux unis encore. Ici, on a un bouquet absolument extraordinaire avec les livres qui sont enfermés avec des rubans. Sur fond de brique. Le voilà. Alors ça, vous le verrez pas. Hein. Je le déteste, ce verre. Bah, j'ai horreur de ça, mais vraiment. Je m'en servirai pas. C'est sûr, vous ne le verrez pas. Parce que le noir, quelquefois, j'en mets un peu. Mais alors celui-là, non. Je l'ai beaucoup vu pendant les stages là. Tous les... je déteste ce verre. Il ne me plaît pas du tout. Donc là, je ne le mettrai pas. Bon, là, on retrouve un peu la même chose que la première page de couverture. Hein, c'est un peu pareil. À part que c'est sur du fond beige, au lieu d'être fond bleu. Derrière, on a du bois. Ici, on a l'étagère avec les plantes et les livres. Très, très joli, ça aussi. On va pouvoir bien travailler. Et là, un joli fond aussi. Très, très, très jolie collection. Je suis bien contente de la retravailler, j'allais dire, un peu plus profondément. Voilà. Là, on a donc la collection Benven. C'est la même chose, mais on a 4 fois les 6 papiers. Donc, ça permet quand même de faire 2 jolis fonds. Et puis, on peut utiliser les versos pour faire les faux unis. J'ai la collection 15-15. Pareil, c'est 4 fois les 6 papiers. C'est la même chose. Hein.
Et j'ai la collection Benvin des papiers. Alors, eux, ils appellent ça Basic Paper 7. C'est les patterns, là, vous savez, c'est les fonds. Et c'est des fonds différents. Donc, je vais vous les montrer parce que vraiment, ça nous a bien servi. Ce sont des fonds totalement différents. Là, voilà la facture française. Ce sont des fonds totalement différents de ce qu'on a dans la collection. Donc, c'est très intéressant d'avoir des papiers assortis, mais quand même un peu différents. Et là, vous allez voir, il y a la couverture, elle y est, je ne sais pas combien de fois aussi. Donc, on peut, hein, vous savez que je peux découper, je suis capable de découper tout ça pour faire les embellissements, moi. Voilà, alors, ensuite, j'ai gardé le 15-30 pour la fin, comme d'habitude. Donc là, on a deux fois la même chose. Alors, vous allez voir, ça, avec ça, on ne peut pas faire autrement que de faire de jolis embellissements. Regardez-moi ça, des étagères magnifiques, des horloges, des théières, des bougies, même un cartable, c'est superbe. Alors, c'est tout recto verso, bien sûr. Les bouquins, les paniers pleins de livres, des réveils, des livres, des livres, des livres. Et là, des chats, des chiens. Ils sont trop beaux, c'est trop beau. Vous allez voir, je suis. Ah voilà, il est là, celui-là. J'adore celui-là qui a les lunettes, là. Il est trop beau, celui-là. Les petits chats, ils ont moins sympathiques. Pourtant, j'aime les chats. Mais je trouve ils ont un regard dur. Alors là, on a les mamies et les papys. Ça, c'est trop bien. Regardez-moi celui-là de chien, comme il est joli aussi. Les jolies enveloppes. Enfin, il y a vraiment de quoi faire, hein. Il y a de quoi s'amuser là dans les décorations, dans les embellissements. Là, on a plutôt les jeunes, on va dire, enfants et jeunes, ados et jeunes. Vous voyez, ceux-là déjà, ils ont une tête plus sympathique que les petits chats. Avec les encriers, toujours des petites horloges là. Là, cette fois, c'est les madames, donc c'est les jeunes féminines, c'est-à-dire qu'on a des plus jeunes personnes, femmes. Là, on a les petites filles, elles sont adorables. Ça permet de faire, vous voyez, différents thèmes selon les pages. Là aussi, c'est un mélange de jeunes et de moins jeunes. Voilà. Donc, je suis bien contente d'avoir tout ça. Parce que ça, j'avais pas le même. Ça, c'est le Book Lovers. Moi, j'avais, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, celui qu'on avait en atelier. C'était plus les chats, les chiens et les livres. Il n'y avait pas tous ces personnages. Je ne me rappelle plus. Là, c'est le Book Lover. J'en fais trop des choses. Je finis que je perds mon latin. Hein. Oh mon Dieu. Alors ça, il y en a deux. Hein. Chaque fois, dans les 15-30, il y a deux fois la même collection. Donc, vraiment, quand, par exemple, celui que je viens de finir, là, qui était le Hey Jude, là, où j'avais besoin de beaucoup de déco, j'ai tout découpé d'une collection. Je n'ai pas utilisé la seconde. Hein. Ça, je le mets souvent en cadeau quand les personnes m'achètent des albums. Je le donne, ça. Ou en atelier. En atelier, je suis généreuse. J'en donne à tout le monde aussi pour qu'elles aient de quoi découper et décorer. Alors voilà, colis du mois d'avril. Donc, la 30-30, la 20-20, eh bien, la 15-15, la 20-20 des papiers complémentaires. Et la 15-30 Book Lovers. Voilà, Magali, elle m'a bien soignée, elle m'a donné beaucoup de choses. Donc, je vais faire un album bien joufflu, comme je les aime. Voilà, ben écoutez, c'est parti, hein, parce que là, je viens de filmer. Hop, 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 derrière, de suite, allez, couverture, machin. C'est parti tout de suite. Sur le chapeau de roue. Allez, je vous remercie en tout cas d'être là et de me suivre. C'est tellement gentil de continuer à écouter tous mes périples scrabesques. Bien, ben, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Je vous dis à très vite pour commencer ce projet. Au revoir tout le monde!